Hello les gars, c'est Sergi, bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure sur GTA V. Wesh les gars, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas pris de vidéo sur YouTube, mais je suis pris les gars, j'ai beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, je me suis mis sur GTA et je me dis que on va continuer notre aventure. Alors là, je sais pas. là, il y a des soucis à ce que je vois. Alors, on va directement commencer notre activité de gang, comme vous savez. La dernière épisode, je crois qu'on s'était fait arrêter. Et aujourd'hui, on va essayer de ne pas se faire arrêter. Et on va essayer de gagner de l'argent. J'aurais pas dû mettre... Bon, on laisse ça. Et là, je crois que j'avais rejoint la gang et je n'avais pas continué l'épisode parce que, en fait, j'avais eu des problèmes de mode et puis tous les modes s'étaient bloqués et j'arrivais pas à continuer. Je suis toujours dans la gang et là, je peux aller faire une activité de gang. J'ai dû retirer certains modes parce que il y avait beaucoup de bugs. Et là, je vais donc appeler Quick J, le chef de gang, et il pourra nous donner une mission et on pourra aller le faire. Ah, je sais pas quelle est la mission. On va aller vendre la marchandise. Vous savez ce que c'est. J'ai pas envie de le dire. Parce que c'est sur YouTube. Regardez, tout ça, c'est le membre de mon gang. Attendez, j'ai diminué un peu le volume de mon côté. Parce que là, c'est trop fort pour moi. Allez, voilà. Yo, les guys. Je suis là pour la dope. On va appeler ça la dope et puis on va aller vendre et on va essayer de pas se faire prendre. Alors là, il faut que je mette la map. Et donc, il faut que j'arrive à vendre ça. Je vais essayer de vendre la marchandise du gang. Vous savez ce que c'est. C'est stupéfiant. J'espère que YouTube ne va pas me censurer pour les mots que je viens de dire. Et là, je sais pas comment je dois vendre. Je sais pas où je vais. Je vais aller vendre ça. En tout cas, j'ai peu d'argent. Je n'ai que 0$. Et là, le gang vient de me dire d'aller vendre la marchandise. Est-ce qu'il y a des gens que je vais trouver? Je sais pas. En tout cas, ça prend pas que je fais cette mission. Mais j'avais vu comment les gens faisaient cette mission. J'espère que je vais trouver des clients parce que là, ça commence à devenir énervant quand il n'y a pas de clients. Regardez, l'argent que j'ai, 0$, c'est incroyable. Alors les gars, je sais pas comment je vais vendre la marchandise. Pour le moment, je suis... C'est la première fois que je fais cette mission. Je vais... Il me faut une caisse aussi parce que j'ai pas de voiture. Oh voilà, mon premier client. Ok, ça marche. Voilà, 120$ les guys. 120$. On va rester ici, on va voir ce que ça donne. Là, on dirait qu'il y a presque personne. Mais je connais un endroit spécial pour vendre tout ça. C'est surtout... Attendez, si je viens ici, est-ce qu'il y a des gens? J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Alors, on va aller à la plage. Parce que j'ai l'impression qu'il... Oh, bordel. Le taximan qui me cogne, les guys. Allez, je vais aller dans la voiture. Alors, il y a toujours l'essence et plein d'autres trucs là. Allez, on y va. Franchement, j'ai oublié comment jouer GTA, les guys. Parce que, voilà. Ça fait un bail que j'ai pas joué ça, en tout cas. Ça fait super longtemps. Et je me suis dit, je m'y mets directement, je prends une vidéo avec, j'espère que ça va bien marcher. Allez, on va aller là-bas. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de flics à la plage. Tellement... Ok, il y a quelqu'un. Quelqu'un là. Franchement, je suis le pire conducteur que vous aurez vu. Allez, on va vendre la marchandise. Voilà, 440$. Oh, il reste 115.
115 unités à vendre. En tout cas, on va se faire un max de fric dans ce gang. Il y a deux personnes derrière. Je préfère sortir de la voiture parce qu'ils ont dit que si je reste trop longtemps dans la caisse, les keufs vont se ramener. J'ai pas envie de avoir la police à mes trousses. Sur la map, vous pouvez le voir. Et donc, c'est lui, je crois. Vers cet endroit, il y a beaucoup de clients parce qu'en fait, je crois que c'est là où il y a beaucoup de gens riches. Parfois, il y aura... Attention, faut pas... Si je vends, si je reste à un endroit trop longtemps, les keufs aussi peuvent se ramener. Mais on a dit qu'à pied, c'est moins risqué. Je préfère pas rester dans la voiture et... Alors, je vais à la plage cette fois-ci. Mais 7 heures de la... À 7 heures, je sais pas si je vais trouver beaucoup de gens parce qu'il fait un peu tard un peu là. Et je me dis que je vais trouver aussi. Je vais parquer d'une façon à ce que... Voilà, j'ai déjà des clients là. Ici, il y a vraiment beaucoup de clients. C'est le meilleur endroit pour vendre. Je vais mettre ma voiture de façon à ce que... S'il y a des soucis là... Avec la police, comme ça, je pourrais m'enfuir très rapidement. Allez. Allez, il approche. Oh, pardon, monsieur. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de police à cette heure-ci, mais vers la journée, il y en a beaucoup plus. Ah, c'est calme, hein. J'aurais dû venir plus tôt. Mais bon, voilà, j'ai commencé la vidéo un peu tard. J'aurais dû changer le temps un peu pour commencer le matin. Et voilà. Voilà, il y a des gens ici. On va aller leur vendre cette marchandise. Voilà, il y a un autre client là-bas. J'ai l'impression qu'ils vont prévenir la police parce que tout le monde a fui, on dirait. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais voilà. Donc. Allez, on va vendre l'autre marchandise là. Je reste plus qu'avec 56 unités. Est-ce qu'il y a d'autres clients, hein? Je sais pas, est-ce que je dois continuer? J'ai pas envie d'aller plus loin. Là, il y a un client. J'ai pas envie d'aller très loin. M'éloigner trop de ma caisse parce que si jamais j'encontre la police, j'ai envie de m'enfuir le plus rapidement possible. Alors, il y a beaucoup de clients. Notre cliente. En tout cas, ici, faire du business ici la nuit, je veux pas oublier. Je commencerai à venir ici vendre ma marchandise et me faire beaucoup, beaucoup de fric. Attention à les keufs. Non, il faut que je me casse directement là. Voilà, les problèmes arrivent. Faut pas qu'on m'attrape. J'ai pas encore gardé mon argent. J'ai pas caché mon argent. J'ai encore beaucoup d'argent sur moi et j'ai pas envie de me faire... Au frais. On va se cacher ici. Hein. Je crois que ici ils vont pas me voir. Alors voilà. La police finalement me lâche. Et là, franchement, les guys, c'est chaud. Je sais pas qui m'a balance. Mais les keufs sont à mes trousses là. En tout cas, je vais juste rouler comme ça. Et puis, chaque fois comme ça, je trouve un client. Là, il y a même la pluie qui tombe. Et là, ça tombe mal, les gars. J'ai pas envie que... Allez, madame. À votre marchandise. 200$. J'ai encore 20 unités. Alors, je quitte la plage parce que il n'y a plus personne. Aïe. Il n'y a plus personne. Et j'ai peu d'essence là. Je vais acheter un peu d'essence. Après, on va essayer de trouver des clients, les gars. Et terminé, on a plus que, je crois, 19 ou quelque chose comme ça dans nos poches. Il nous faut juste un gros client là qui va tout nous acheter. Et puis, on va aller cacher ça. Cet argent sale à la planque, parce qu'il faut la cacher, parce que si on m'attrape avec une grosse somme comme ça, on va me coffrer.
Et voilà, on augmente l'essence, les guys. Alors là, là on a un client là. Alors, il faut être très rapide à ce que je viens de voir. Ok, madame, je suis pas là pour ça, madame. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis ici pour faire mon bif, madame. Alors, s'il vous plaît, éloignez-vous. Allez, on va à la plage. Ça va faire vite. Cette fois-ci, je vends les derniers en voiture. Alors, c'est le matin. On va trouver quelques clients. Allez, messieurs, je crois que ça sera notre dernier. Il a l'air riche. Oui, je crois qu'il va me donner beaucoup. Il reste qu'une seule. Alors, il n'y a pas de client, bizarrement. Et il nous reste juste une dernière dose, les gars. Une dernière dose. Voilà. On va vendre notre dernière marchandise, les gars. Voilà, c'est une belle madame là qui veut acheter notre dope. Et voilà, c'est le dernier. On a pu vendre et on a 5000 dollars en poche, les guys. Allez, on va mettre tout ça à la planque directement, les guys. Allez, on va directement à la planque. On va aller à la planque. On va d'abord cacher tout ça. J'ai trop peur. Je sais pas si j'avais acheté la planque avec vous dans la vidéo passée, mais je crois que je loue une planque en fait. 300, 400, 400, 400 euros par mois. Allez, on se dépêche, les guys. Allez, je m'en fiche de comment je vais conduire. Hein. Alors, les guys, on vient d'arriver juste à la planque là. Et je vais parquer. Et on va aller chercher tout notre bif. Allez, on y va. Alors, je crois que c'est là. Ouais. C'est ici que je vais commencer à vivre. Et je vais cacher tout mon fric, tous mes trucs ici, mes armes et tout. Allez, on y va. On entre dans la stash house. Et voilà, c'est ici que je peux planquer mon argent. Voilà, on peut garder, tu vois, tout notre argent. Donc voilà, on fait comme ça et puis tu fais comme ça et là tout ton argent sera caché ici. Mais je vais récupérer je vais récupérer un peu. Allez, je vais récupérer un peu. Voilà, je récupère 3000 dollars, je garde 2000 dollars, on ne sait jamais. Voilà les guys, alors je crois qu'on va se laisser ici pour ce premier épisode. On se retrouve tout à l'heure pour un deuxième épisode. D'ailleurs, pour le deuxième épisode, on va commander des marchandises et puis on va commencer à faire du deal. Et pourquoi pas dans le deuxième épisode, on pourra aussi faire de activités de gang. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. À bientôt.